Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon solde belge dans un premier temps. Et puis je vous montrerai les soldes que j'ai réalisés ici sur place. Voilà, donc on va de suite commencer. J'ai pris énormément de retard dans mes vidéos parce que j'avais plus trop de motivation, mais maintenant j'ai l'impression que ça revient petit à petit. Voilà, alors on va commencer de suite par la partie make-up que j'ai réalisé dans un Creed Vat parce qu'il me fallait quelques articles de maquillage et on va commencer. Alors au Creed Vat en Belgique, je me suis pris en fait 5 articles. Donc je me suis pris une poudre de chez Essence. Voilà, c'est une nouvelle poudre, c'est la Stay All Day 12h, donc la Long Lasting Powder, j'arrive plus à parler. Et j'ai pris la teinte 30 Sand Matte. Voilà, donc c'est une poudre assez aérienne, assez légère de finition. Et elle est de cette couleur-ci, donc elle est légèrement. En fait, c'est ma carnation actuelle, vu que j'ai pas trop bronzé. Donc voilà, elles se font très bien. Elles se font très bien sur la peau. Et j'ai dû la payer, je crois, 3-4 euros maximum. Ensuite, je me suis pris le Essence Quick and Easy Sponge. Donc, c'est bien sûr le fameux dissolvant sans coton. Voilà, donc le Nail Polish Remover sans acétone. Et j'aime beaucoup. En fait, moi, j'avais ceux de chez Beauté Privée. Et en fait, si vous voulez, à force de s'enlever le vernis, le produit se retrouve à saturation. Donc j'ai une abonnée qui m'a donné une astuce. Donc il suffit de vider en fait votre peau, de le rincer, d'en faire de même avec l'éponge et de mettre du dissolvant. Mais pour ma part, ça marche pas si bien que ça, donc il faudra que je réessaye. Mais pour l'instant, voilà, j'ai repris celui-ci qui fait environ 5 euros. Ensuite, comme j'étais en voyage, je me suis dit que j'allais pas me prendre, que j'allais pas me que j'allais pas prendre un démaquillant, des disques démaquillants, une lotion. Donc je me suis ruée sur des lingettes, toujours de la marque Essence. Donc c'est la Mattifying Cleansing Wipes. C'est écrit comme anglais, hein. Donc voilà, c'est pour les peaux mixtes. Donc moi j'ai pas trop la peau mixte, mais c'est pas grave. Voilà, donc il y en a 25 à l'intérieur et franchement pour dépanner c'est très bien. Et celle-ci, je crois que je les ai payées 3 euros. Allez, pour terminer avec la marque Essence, un produit que je recherchais mais depuis des lustres. Quand celui de chez Kiko fut terminé, ça doit faire bien plus d'un an maintenant. Je le cherchais partout et là je l'ai trouvé. Voilà, donc vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est? Donc c'est le Express Dry Spray. Donc c'est un spray qui assèche votre vernis assez rapidement. Donc, voilà, c'est un sèche-vite. Et j'en ai entendu beaucoup de bien et je ne l'ai pas encore testé, donc il faudra que je le teste pour vous dire si ça marche vraiment ou pas. Donc voilà, il fait combien de millilitres? Vous en avez pour 50 millilitres, donc je trouve que c'est pas mal. Et je crois qu'il fait 3-4 euros aussi, pas plus. Et dernier produit, donc je voulais un petit fond de teint pour cet été en fait, pas trop foncé, pas trop clair et qui soit pas trop couvrant. Donc je me suis dirigée vers le Match Perfection de chez Rimmel, que j'ai pris en teinte soft beige, donc le numéro 200. Et ma foi, il est pas mal. Donc Rimmel, vous savez que c'est une marque que j'aime bien, qui font pas mal de bons produits. Voilà, donc j'aime beaucoup. Il est pas très couvrant, mais de toute façon c'est modulable. Si vous voulez une couvrance un peu plus poussée, il faudra rajouter une deuxième couche. Mais quand je dis une deuxième couche, c'est pas sur tout le visage, c'est vraiment sur des zones ciblées. Celui-ci m'a coûté 5 ou 6 euros. De toute façon, pour tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu pour 19 euros. Oui, voilà, j'en ai eu pour 19 euros au Creed Vat pour 5 produits. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas cher payé. Dernier article que j'ai pris, en fait, celui-ci en Hollande. Donc, on vous a préparé avec ma chérie Make-up Fatim une petite vidéo vlog que je vous mettrai avant ou après cette vidéo, je ne sais pas du tout, et où on vous a montré une partie en fait de nos achats faits en Hollande. Voilà,
aux Pays-Bas, à Amsterdam. Donc je vous le montre quand même assez rapidement, vu qu'on ne pouvait pas trop parler dans le train parce que tout le monde nous regardait et devait nous dire franchement celles-là elles sont vraiment folles. Et en plus on n'a vraiment pas l'habitude de. On est assez timide, donc on n'a vraiment pas l'habitude et l'aisance de parler devant des gens. Donc voilà, donc là je vous le représente. Donc je me suis pris, je ne sais plus dans quelle boutique à Amsterdam, le gloss de chez NYX que je n'arrivais pas à avoir ni sur Body Joint ni sur Cherry Culture. C'est le crème brûlée qu'avait présenté Elsa en fait sur sa chaîne. Voilà, donc c'est. J'aime beaucoup ces gloss. Ce sont mes préférés. Ce sont mes préférés. Les NYX, les Butter Gloss, ce sont ma gamme et mes gloss préférés. Donc voilà, me semble-t-il que ceux-là, on les a payés 6 euros. Là, on va passer en fait à la partie accessoires et vestimentaires. Vous allez voir, je crois que c'est la première fois de ma vie que je dépense si peu. Bon, tant mieux, hein, parce que je prépare autre chose. Voilà, alors, on va commencer de. Premièrement, chez H&M, je suis allée dans deux ou trois H&M. Oui, je suis allée dans deux ou trois H&M. Alors, le premier, j'ai trouvé. Hop, ces petites pantoufles trop mignonnes, j'ai vraiment craqué. Alors, voilà, elles se présentent comme ça. Je sais même pas quelle est la droite de la gauche, bref. Voilà, elles sont trop mignonnes avec Snoopy dessus. Je voulais aussi le pyjama qui allait avec, mais en fait, il n'y avait pas ma taille. Non, il n'y avait pas ma taille, donc j'ai laissé tomber. Donc voilà, avec des petits Snoopy partout et des cœurs trop mignons. Donc celle-là, en fait, je suis en train de préparer ma valise maternité. J'ai le temps, ce sera pour décembre, mais je commence déjà à préparer ma valise maternité parce qu'il faut pas mal de choses. Donc voilà, celle-ci ira dans cette valise-là. Donc si une vidéo de la valise maternité vous intéresse, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Voilà, donc j'ai pris une pointure 38-39 et je les ai eues pour la modique somme de 5 euros. Voilà, de toute façon à la base elle coûtait pas très cher et là 5 euros. Donc elles sont trop mignonnes avec des petits nœuds. Voilà, franchement j'aime beaucoup. Ensuite, dans ce H&M, je me suis pris un ensemble de sous-vêtements que je ne vais pas vous montrer. Et qui m'a coûté, je crois, le bas m'a coûté 7 euros et le haut 10 euros, un truc comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais trouvé dans ce H&M qui était situé à Anvers. Ensuite, dans le H&M situé à Malines, je me suis pris un gilet vu qu'il faisait pas très chaud là-bas. En fait, j'avais carrément froid et j'y suis allée fin juin pour vous dire. Voilà, donc j'y suis allée du 17 au 26. Je me suis pris un petit gilet tout basique blanc que j'ai pris en taille L parce que je voulais quelque chose d'assez loose et pas près du corps. Taille L, voilà, blanc, assez, franchement assez basique, que j'avais payé 9,99 € et me semble-t-il que celui-ci n'était pas soldé. Toujours dans ce même H&M, je me suis pris un petit haut. Excusez-moi, hein, je les ai pas repassés, donc je vous les montre tels quels. Je me suis pris ce petit haut-là. Voilà, avec toute la bordure de la poitrine en dentelle, ainsi que le dos. Hop, et le bas se présente comme ça, donc plus long à l'arrière qu'à l'avant, comme toujours. Et j'aime beaucoup, il a un petit effet loose et je l'ai pris en taille M. Et celui-ci m'avait coûté 7 euros en solde. Ensuite, je me suis pris ce pantalon-là, que j'ai beaucoup aimé. En fait, les rayures verticales vous donnent l'impression d'être, vous font paraître un peu plus fine. Voilà, donc, et j'avais vraiment pas ce genre de pantalon dans ma garde-robe. Donc il est rayé, il est un peu plus loose au-dessus et il se resserre en dessous. Donc c'est très bien pour les filles qui ont des formes. Voilà, comme moi. Hop, l'arrière se présente comme ça. À l'avant, vous avez deux poches ici. Et le pantalon se ferme par une fermeture éclair ainsi qu'un bouton pour sécuriser le tout. Et le pantalon, je l'ai pris en taille 40. Et celui-ci, je l'ai eu, me semble-t-il, pour 12 ou 15 euros. 12 euros, je crois. Parce que, non, 15 euros parce qu'il était à la base à 29,90 €. Et enfin, pour terminer, mon petit coup de cœur. Donc, moi et la dentelle en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Je me suis pris cette petite robe en dentelle, voilà, hop, se présente comme ça et elle est assez longue, enfin elle est assez longue, elle arrive en dessous des genoux,
Voilà, et vous avez une doublure qui s'arrête au niveau des genoux, donc ça fait un petit jeu de transparence au niveau des jambes et ça fait très joli, voilà. Et l'arrière se présente comme ça. Hop, et elle se ferme par une petite fermeture éclair juste ici. Donc voilà, j'aime beaucoup cette robe, je pense que pour le mois d'août, ce sera très bien. Et j'ai pris une taille 40. Et celle-ci, par contre, elle n'était pas soldée, je l'ai eue. Celle-ci, je l'ai eue pour 29,90 €. Donc voilà pour mes achats dans le deuxième H&M et dans le troisième H&M qui se situe à Amsterdam en fait, lorsqu'on est allé en Hollande. Je me suis pris deux articles. Donc je me suis pris un petit pyjama toujours pour la valise maternité. Voilà, il est trop mignon, il est gris, assez loose, j'aime beaucoup, avec des petits cœurs noirs. Vous avez un petit nœud à l'avant. Il est vraiment tout basique, tout simple. Et celui-ci, c'est une taille M que j'ai eu pour 7 €. Hop, je fais assez rapidement parce que celui-ci, je vous l'ai présenté dans la vidéo vlog. Hop, et ensuite, avec Fatima, on s'est pris le même chemisier. Donc, on s'est pris ce chemisier-là. Voilà, toujours à dentelle, bien sûr. À l'avant. Et à l'arrière, c'est une chemise sans manches, donc qui est évasée, qui est assez resserrée au niveau de la poitrine et qui part en évasée en bas. Donc voilà, elle est toute simple, très jolie. Voilà. Et celle-ci, je l'ai eue pour 5 € et c'est une taille M. Donc voilà pour mes achats chez H&M. Ensuite, je suis passée chez Vibra, c'est une sorte de Jiffy où j'ai pris des petits articles de maison comme des à-l'aise en fait pour la literie parce qu'on a pris un lit assez assez grand et je trouve pas d'à-l'aise qui puisse aller dessus, donc j'en ai pris deux. Les à-l'aise là-bas coûtent pas très cher, je crois qu'ils font dans les 10 €. Je me suis pris bien sûr donc elle non. Je me suis pris ce petit cadre, j'aime beaucoup vraiment ces genres de décorations. Donc regardez le prix, ça coûte vraiment une misère, en sachant que ici un article de cette taille doit au moins faire 5 €. Voilà, donc moi je l'ai eu à 1,29 €. Hop, et c'est un petit cadre en fait que vous pouvez accrocher où vous voulez, sur la poignée de la porte, vraiment où vous voulez. Voilà, donc j'aime beaucoup, de toute façon, le blanc et le gris, ça reprend un peu les couleurs de chez moi. Donc, A True Love Story Never Ends. Donc, une vraie histoire d'amour ne se termine jamais, ou n'a jamais de fin. Voilà, donc l'arrière se présente comme ça. Et j'aime beaucoup les petits détails un peu vieillis, un peu vintage. Donc, j'aime beaucoup cet article. Suite. Je suis allée au marché, donc au souk de Malines, et j'ai flashé sur une petite robe de maison, je dirais, voilà. Donc c'est celle-ci. Voilà, elle est vraiment toute basique et le prix, franchement, elle m'a coûté 6 €. Donc j'aime beaucoup le bleu marine. Et vous avez en fait des petits détails de fil cousu avec des sequins argentés. Je ne sais pas vraiment si vous arrivez à voir le détail, mais c'est super joli. Voilà, les détails, on les retrouve sur les encolures des manches. Et la robe, en fait, se présente comme ça. Voilà, donc franchement, pour la modique somme de 6 €, j'ai pris une taille L. Et pourquoi pas pour l'Aïd ou même pour recevoir. Moi, j'aime beaucoup. C'est une robe assez simple qui fait pas trop. Et pour 6 €, franchement... demander de plus. Ensuite, je vais vous montrer un petit cadeau. Donc à la base j'étais allée l'acheter parce que ma belle-mère l'avait eu en cadeau, avait eu ce coffret en cadeau, enfin le coffret full size, et moi je voulais le petit coffret vu que j'avais pas trop de kilos, de possibilité de prendre de kilos de produits en fait dans ma valise, et je l'ai voulu en format voyage. Et lorsque je suis allée pour le payer, c'est ma copine qui me l'a offert. Donc voilà, elle m'a offert ce petit coffret donc de la marque Rituals. Et franchement, il sent super bon. Je vous le conseille à 1000%. J'ai pas encore testé, hein, mais alors l'odeur. Je suis vraiment fan de l'odeur. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez une sorte de gel...
une sorte de mousse à laver. Ici, vous avez un shampoing nourrissant. Voilà, non, là, c'est écrit. Un gel douche extra moussant en forme de mousse. Hein. Ici, vous avez un shampoing nourrissant ultra brillant qui fait 70 ml. Et là, celui-là, il fait 50. Celui-là fait 70 ml. Ensuite, ici, vous avez une crème riche et nourrissante pour le corps qui fait 70 ml. Et ici, enfin, dans ce petit sachet-là, vous avez un Detox Himalaya Scrub Salt. Donc, en fait, c'est un gommage détoxifiant. Et ce coffret fait partie, en fait, d'un... Et il fait 40 grammes, pardon, le gommage. Et ce coffret s'appelle Himalaya, c'est ça? Ou les fleurs d'Himalaya, un truc comme ça. Il sent super bon et je vous le conseille. Et il fait environ, 16 euros dans les magasins Rituals. Donc voilà pour mes achats belges. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à me laisser vos impressions en commentaire et vos idées de vidéos. Donc je vous fais de gros bisous et jusque-là, portez-vous bien. Bye.